Ça fait qu'un jour, j'étais en voyage scolaire, de voyage de ski là, et genre on allait à la neige. Donc on dit, ouais, vas-y, on va à la neige avec l'école, c'est cool. Et là, moi, je suis en train de faire, tu sais, les scalopettes là, de pied là. Piou, 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 piou. Tu vois, je suis en train de faire ça, et là, il y a un aigle qui veut me soulever. Il sait pas que j'ai soulevé plus de gens que lui. Surtout des meufs, ça se soulève, mais facile, tu vois, comme ça. Et le bouc, tu vois, il vient, il veut me voler pour me nourrir à ses enfants. Donc je suis là, je fais mon truc, je vois qu'à un moment, je touche plus le sol. J'ai dit, c'est bizarre, en bas, c'est vide. Je soulève la tête, je vois que c'est l'aigle royal de la Tanzanie qui me soulève. Toi, me soulever! Attends ce que je vais te faire. Devinez ce que je lui ai fait. Devinez. Mais likez avant. Je fais quoi? Je lui prends par les pieds. Je les croise. Ok? Il croise ses pieds, hein, bien. Et après, je lui enlève deux plumes. Et après, je mets un plume là dans ma bras. Et après, je fais quoi? Là, c'est pour montrer que je suis féroce, tu vois. Je dis, ok, laisse faire. C'est bon, il m'a ramené à ses enfants. Une fois, j'étais dans son nid. Il a dit à ses enfants, commencé à le découper. Pauvres enfants. J'ai pris les deux, frère. Je leur ai fait comme ça. Comme ça. Et je les ai mangés. Cru. Comme ça. Parce qu'en fait, j'avais une plume dans la gorge. Et là, lui, je l'attrape par les oreilles comme ça, tu vois, l'aigle. Je l'attrape comme ça par les oreilles, et je le fais comme ça. Et après, il était comme ça, genre, il louchait, tu vois. Et je fais quoi? Je l'attrape comme ça, je lui tourne la tête trois fois pour qu'il voit bien autour de lui que ça va pas. Et là, je lui donne une claque, et je lui dis plus jamais. Et après, j'ai sauté de la montagne, mais j'avais un t-shirt que j'ai mis comme parachute pour pas mourir.